Le PDG est le plus ancien des partis du Gabon. Mais il est un fou de la jeunesse. Chaque année qui passe, il ne fait que bonifier et le renforcer. Le PDG est, au Gabon, le plus puissant des partis. Vous pouvez en être fier, car c'est à vous et à vous et à votre engagement que nous le devons. Du sommet de notre parti à sa base, c'est-à-dire du secrétaire général aux militants, en passant par l'ensemble des fédérations, je veux vous féliciter. Vous féliciter et vous remercier, vous dire ma reconnaissance et l'amour que je vous porte à chacune et à chacun d'entre vous. Chers camarades, le PDG est, le PDG sera notre maison commune. Il hérite une grande histoire. Cette histoire, dont il faut être fier, a été façonnée au fil des décennies par ceux qui nous ont précédés. Ne les oublions pas. Jamais. Honorons leur mémoire toujours. En ce jour du 55e anniversaire du Parti politique gabonais, j'ai une pensée émue pour nos pères fondateurs, feu le distingué camarade président Omar Bongo Ondimba. Sentiment de satisfaction, comme d'habitude, lorsque on célèbre un anniversaire, on ne peut être que content de prendre une année de plus. Simplement que cette fois-ci, c'est un anniversaire que nous célébrons dans le recueillement. Comme vous avez bien entendu le distingué camarade qui a demandé que l'on observe une minute de silence pour compatir avec nos frères et sœurs qui ont été endeuillés dans le cadre du triste naufrage de l'Esther Miracle. Alors, je suis le camarade Franck Ondome Togo. Je suis membre du bureau politique au premier arrondissement de la commune d'Oyem, précisément à la fédération Akok Barrage Angon 1. Ça a été une grande manifestation, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre parti, sauf qu'avec la particularité, c'est que le DCP, le distingué camarade président, nous a ouvert le cœur sur sa situation de maladie lorsqu'il était à Riyad. Ça a été des moments émouvants pour tous les camarades militants et je pense que les remerciements des camarades militants se sont manifestés dans la salle pour l'acte et le geste que le distingué camarade a fait à notre endroit en nous ouvrant le cœur parce qu'il a partagé là un sentiment qui est purement personnel, qui est purement privé. Et en faisant état de sa situation de maladie à l'époque de Riyad, c'est pour lui une façon de démontrer à tous les camarades, hommes, femmes et jeunes, son attachement à notre endroit. Et je pense que nous avons pris la leçon et nous allons lui rendre la pareille lors des élections de 2023. Quand 5 ans de vie pour un parti, ce n'est pas donné à tous les partis du monde. Aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais est le plus ancien des partis dans notre pays. Et c'est pour nous une joie, une grande joie d'avoir fêté aujourd'hui et avec nos distingués camarades qui viennent nous délivrer un message très, très, très fort, très, très émouvant. Au thème de la célébration des 55 ans du PDG, le parti sort là fort, fort parce que nous avons eu les directives du 15 président Ali Bongo Ondimba. Et après la renaissance, et dû aux événements passés, le président a fixé un cap. Donc nous sortons là fort, il faut mobiliser les populations, mobiliser les militants et les militantes autour du projet du PDG. Et nous espérons que dans les jours à venir, beaucoup de choses vont s'annoncer. Et le parti se porte bien. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction au terme de
la célébration de ses 55 ans. On agit sans...